continue. Ben, c'est mon dernier bivouac, je rentre demain sur Isola, j'écourte le séjour, là. J'arrête à la 8e étape. Alors pourquoi? Ben, parce que j'en ai marre, tout simplement. Ma famille me manque, j'apprécie pas autant qu'avant l'aventure, enfin, l'aventure à mon niveau, hein. Je me la pète pas. Mais bon, voilà. Et puis ça fait quoi? Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça fera 6 jours de marche. Bon, ça suffit. 6 jours de marche, c'est la 8e étape là d'Isola. J'ai bien marché. Et puis voilà, je vais retrouver ma pépette, ma grande qui est à la maison en ce moment. Et voilà. Et puis le deuxième jour, je me suis blessé comme un con. J'ai buté 3 fois sur une pierre. Alors pas la même pierre, hein, bien sûr, mais j'ai buté avec le pied gauche, là, 3 fois de suite, enfin, 1 heure d'intervalle, et donc j'ai un beau panari sur le gros orteil. Je vous mettrai la photo. Bon appétit. Et donc voilà, et j'ai eu une grosse journée hier, là, en pleine chaleur, pas un coin d'ombre. Une chaleur épouvantable, pas d'eau, enfin c'était vraiment, vraiment pénible. Aujourd'hui là, cette étape est magnifique, c'est très, il y a plein de ruisseaux, de torrents, c'est vraiment magnifique. Par contre, il n'y a pas un chat, j'ai croisé personne sur le dernier tronçon là, j'ai pas croisé une seule personne. Pas de réseau, enfin, la vie sauvage quoi. Allez, je vous fais des bisous, ciao. Voilà, une petite tranche de vie du bivouac. Je me suis fait lyophiliser tout à l'heure, mais j'avais encore faim. Du coup, je me suis fait un petit peu de noodles, voilà. Et je mange à l'intérieur de la tente parce que avec les moustiques, les mouches, les temps. Mais bon, comme ça, de cette façon, on apprécie le confort de la maison. Voilà. Sinon, on ne se rend pas compte combien on a de la chance. Voilà, bonne soirée.